Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement d'entreprise ? Un fonds commun de placement d'entreprise est un support d'investissement que l'on connaît aussi sous le sigle FCPE. Il permet aux salariés de placer son argent dans des titres financiers comme des actions ou des obligations par exemple. L'objectif de ce fonds est de faire fructifier l'argent de manière à recevoir des bénéfices. Pour cela, une société de gestion le bloque et l'investit en bourse sous la supervision de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Quelles sont les deux particularités d'un fonds commun de placement d'entreprise ? Un fonds commun de placement d'entreprise a deux particularités. L'argent que l'on y place doit provenir de l'épargne salariale. Et il y a un conseil de surveillance qui est formé de représentants des épargnants. Le conseil a comme mission d'étudier le rapport annuel de gestion du fonds, mais aussi de veiller à la qualité de la gestion et enfin de décider des changements et des transformations du fonds. Y a-t-il plusieurs types de FCPE ? Oui, il existe deux types de FCPE. Les FCPE d'actionnariat salarié, composés à plus d'un tiers par des titres de l'entreprise, et les FCPE diversifiés, composés à plus d'un tiers par des titres qui ne sont pas ceux de l'entreprise. On peut encore sous-catégoriser ces fonds en suivant d'autres critères, par exemple leur niveau de rendement probable, leur niveau de risque, le temps pendant lequel ils bloquent l'argent, ou encore le type d'entreprise où ils investissent. Comment fonctionne un FCPE ? Pour investir sur un FCPE, il faut d'abord avoir un compte d'épargne salariale, comme un PER ou un PEE. Ensuite, le salarié choisit sur quel fonds il veut placer son argent parmi les fonds que lui propose son entreprise. Puis l'argent travaille. Soit le salarié reçoit des bénéfices sur son compte d'épargne salariale, soit il perd tout ou une partie des sommes qu'il a investies.